Pas de vidéo d'intro les amis pour ce prototype 2. Ouais, là on a une sorte de caméra, là une caméra de surveillance. Ouais. Ah putain, dire ah ouais d'accord. En haut à droite il y a la date d'aujourd'hui et l'heure à laquelle je vous capture. Ouais non, il y a 1 heure en moins. C'est pas grave. Donc salut à tous les amis, c'est Letko. Donc aujourd'hui comme vous l'avez très bien compris, je vais vous tester prototype 2. Enfin, plutôt une vidéo découverte. Là, en haut à gauche, j'ai 1, 2, 3 et 4. Je sais pas à quoi ça correspond. Peut-être à la caméra 1, caméra 2. Donc, là, on a une nouvelle partie, bien sûr. Donc, j'ai découvert le jeu en même temps que vous. On a chargé, option. Et on a le résumé de prototype 1 qui devrait plutôt m'intéresser avant parce que j'ai pas pu jouer au premier prototype. Prototype 2, c'est un jeu que j'avais découvert au Paris Game Week. D'ailleurs, ma petite sœur Sablée avait fait des photos avec des mannequins déguisés en prototype. Donc attendez, on va mettre les options. On va tout mettre en normal, vidéo. Je laisse. Sous-titres, on va mettre avec pour vous, pour que vous puissiez lire les sous-titres tranquillement. Et on va revenir. Voilà, sauvegarde. Donc oui, donc un jeu qui, comment dire, qui est pas passé un peu inaperçu, qui a fait un petit peu son buzz du moment, bon un buzz pas très long. Donc voilà, donc il est sorti. Alors je n'ai même pas parlé de l'éditeur et du développeur, donc pardon, édité par Activision bien sûr, Radical Entertainment et les développeurs, un jeu d'action. Hein, on va incarner James Heller, un soldat. Qui va chercher à se venger après la disparition de sa famille. Voilà. Et il est aussi, bien sûr, malheureusement, il est atteint d'une épidémie qui peut lui donner un certain pouvoir assez dévastateur. Voilà. Et l'action va se dérouler à New York, bien sûr. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui était sorti à l'époque le 24 avril 2012 et bien sûr interdit au moins de 18 ans. Donc les petits Kevin, moins de 18. Allez jouer au Pokémon, ça ira mieux pour vous. Voilà. Donc, nouvelle partie. On va mettre en normal. Et s'il y a une petite cinématique, bah, je me tais. Sinon, ouais, petite cinématique. Bon, je vous la laisse. On se retrouve juste après. À Central Park par un cadavre ambulant, si l'on en croit les témoins du drame. Les cadres de Gentech ont confirmé que l'agresseur a été infecté par ce que certains surnomment le virus Mercer, qui semblait avoir été éradiqué l'an dernier. Il y a des soldats du Black Watch partout en ce moment. L'école de Maya a fermé. On devrait pas rester ici. Ils nous disent de rester calme et de pas paniquer. Alors garde ton calme et commence pas à paniquer, ok? Non, je serai là demain soir. On emmènera Maya chez ta mère. Ok, ma chérie, s'il te plaît, écoute-moi. S'il contrôle la situation, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, d'accord? Les autorités new-yorkaises ont annoncé que le Black Watch avait l'intention d'instaurer
la loi Martial dans les prochaines 48 heures. Si vous n'avez pas besoin de rester en ville, notre chaîne vous conseille vivement d'envisager l'évacuation le plus tôt possible. À aucun moment, la violence et le chaos n'ont égalé l'explosion virale inexpliquée des trois derniers jours. On l'aurait même aperçu Alex Mercer, qui, selon de nombreuses sources, serait le responsable de cette épidémie catastrophique. Toi aussi, tu me manques. Mais t'en fais pas. Papa rentre à la maison. Un petit mix, hein, un petit mix entre Resident Evil et un peu Call of Duty, un petit peu. Hein. Activision, ils aiment bien tout ce qui est tout ce qui touche de près ou de loin à la guerre. Hein. Ils savent très bien qu'en ce moment c'est la mode. Hein. C'est la mode. 3-3, ici Shogun, répondez. Balista 1-1 est en route. Arrivez dans 2 minutes. Maintenez votre cap. Qu'est-ce qu'on fait ici? Censé maintenir la paix, gérer les civils, tout ça. Laissez cette foutue zone rouge au Black Watch. Merde, tu laisserais une mission de patrouille à ces tueurs d'enfants? Ils seraient prêts à faire péter toute cette ville. Ouais, je sais bien. Avez-vous besoin de secours? Shogun, ici Ninja 3-3. Compris 3-3, quelle est votre situation? Vérification. Putain. Apparemment lui c'était le héros. Putain. Du premier. Oh putain. Ah d'accord, il lui a tranché la gorge et il a rien le mec. Apparemment lui c'est le prototype 1 lui. Par contre moi j'ai pas connu le 1 donc je sais pas. Je sais qu'il y a l'usine, le laboratoire Gentech qui est un peu derrière tout ça là. Un peu comme la Umbrella Corporation. Ah, il me prend, c'est rien. Il est cheaté le mec, complètement cheaté. C'est tout ce que tu as? Mais qu'est-ce qu'il fout ce guignol? Ok, donc là on est in-game, donc là. Ok.
Ah c'est pas vrai, ça va, ça y a pas de ralentissement. Donc là faut que je suive Mercer apparemment. Oh putain. Elles sont géantes ces volatiles. Quoi? Tu crois que j'ai peur de te suivre? En tout cas ce qui fait plaisir c'est que le jeu a été traduit en français. Ça c'est pas mal hein. Toujours un plus pour nous, hein, pour nous les franco, les francophones, hein, les Belges, les Suisses, les Français. Donc là tout est scripté hein, bien sûr. Oh putain, c'est vraiment la merde la New York là. Oh putain. Ah, d'accord, il a bouffé le soldat sur 4 heures. Ok, d'accord, on a on a des jambes déchiquetées là. Ah ouais. Donc je comprends pourquoi maintenant c'est interdit au moins de 18 ans les amis. Hein. Reviens ici tout de suite. Par contre je peux pas courir encore. Ah ouais d'accord, lui il a mis un gros coup de pied au... à l'hélicoptère. Donc là, vers l'avant. Un peu comme Ninja Gaiden hein, pour éviter les. Oh putain. Alors attends, R2. Allez, allez, cours, cours, cours. Et là, il saute tout seul, hein. Il saute tout seul, ouais. Bon, je reste juste appuyé sur le stick du bas. R2 enfoncé. En tout cas, c'est impressionnante, cette petite scène-là. Assez impressionnante. En tout cas, c'est le chaos total à New York, là, complètement. C'est pire que la Umbrella Corporation là. Ok, donc là, carré pour attaquer. Bizarre, je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai pas entendu le connard. J'attendais qu'il dise connard. Ouais, donc là on est en pleine. On est en plein tutoriel. Hein. Donc je sais que ce sera un jeu avec une map et tout. On va devoir explorer un peu New York. Donc voilà. Ok, oh ouais, d'accord, ok, la sortie de son bras. Apparemment ça sert à rien. Hein. C'est... Ouf. Apparemment il l'a infecté aussi. Non, les pouvoirs que donne ce virus, c'est qu'on peut matérialiser si vous voulez n'importe quelle arme qu'on désire. Par exemple une grosse lame, je sais pas moi, une sorte de gros marteau, donc on pourra choisir les armes qu'on veut. Quoi. Donc là apparemment Mercer nous a contaminés. Drôle de nom de femme à Colette. Hein. On dirait qu'on est chez le dentiste. Oh putain. Ouais, ce qui est chiant avec ces jeux-là, c'est qu'au début, c'est beaucoup, beaucoup de cinématiques. Un homme normal n'aurait pas survécu. Le virus a envahi son corps.
C'est pour ça que vous allez faire ces expériences, docteur. Et si les résultats ne vous plaisent pas, colonel Rooks? Elle leur appartient à Gentech désormais. Si ça tourne mal, on brûle tout. Tout brûler? Non, hors de question. Ce spécimen est trop précieux. S'il vous dit de le brûler, vous obéirez au colonel. Bien, commence. Vous avez vu, hein, la cruauté de l'armée, hein, de, même pas de l'armée, mais de Gentech. Trophée là, épidémie. Donc là, va falloir que je me batte sûrement. Hein. Juste pour. Elle vient de se filmer. Ok, carré pour un coup de poing. Maintenez carré pour un coup de pied. Bah, c'est ce que je. Oh putain! Putain. Ouais, une sorte de petit bizémo là, mais bon, je pense pas que ça va être ça. En tout cas, le coup de pied il est assez stylé. Hein. Un petit effet de bullet time là, voilà. Assez bien fait. Hein. T'as le sang qui tombe de partout là. Non, franchement, le moteur du jeu a l'air vraiment pas mal. Hein. En tout cas, je connais pas beaucoup cette. Oh putain! Je connais pas beaucoup cette. Comment dire, ce studio de développement là, Radical Entertainment. Je crois même que c'est la première fois que je joue à un de leurs jeux. Ok, d'accord là. Oui, voilà, c'était eux là. Avec eux que ma soeur a pu faire une photo au Paris Game Week. Ces sortes de soldats. Il a l'air mort, colonel. Vérifiez. Je ne veux pas d'un autre mercenaire dehors. À vos ordres. Si le monde tourne au noir et blanc, c'est que vous êtes bientôt mort. Oh putain. Je sais même pas ce que je viens de faire là, le triangle, je sais même pas à quoi ça sert. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils me disent? Donc attendez, hop. Attendez, attraper, éliminer les infectés, d'accord. Donc en haut à gauche, j'ai une barre, je sais pas pour l'instant à quoi me sert. J'ai pas tout bien compris, hein. Désolé les amis. Hein. Là, c'est pour choper là. Oh putain. Ah, attendez, il y a quelqu'un là. Oh putain, le feu de fou qui vient de faire là. Voilà, il a l'air très très énervé le LR. Le bug, regardez-moi ça, le bug. C'est beau ça. Hein. Saisissez la table. Ok. Et L2 pour viser. Oh putain. Voilà. Apparemment, il est overpower, hein, le mec. Hein. Mais moi, j'aimerais bien juste savoir pourquoi Mercer a choisi lui pour entre guillemets, pour qu'il ait deux prototypes. Ça, j'aimerais bien savoir. Bon, je pense que c'est à la fin du jeu qu'on va savoir tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton destin. Je t'ai choisi pour ça. Ah voilà. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai donné le virus Mercer. C'est comme ça qu'ils l'appellent, non?
Le même virus 2 années de suite, et toujours le Black Watch pour sauver New York. Réveille-toi. C'est pas une épidémie virale, mais un test d'armes biologiques. Gentech l'a conçu. Le Black Watch le contrôle. Et je porte le chapeau. Et ce type va te le prouver. James Heller, voici le lieutenant Mark Simon du Black Watch. Je t'emmerde ! Ouais, laisse-toi faire. Laisse-toi aller. Laisse la vérité venir à toi. Les interventions de Mercer nous ont déjà causé assez de problèmes. Il doit être neutralisé une bonne fois pour toutes. Vous avez peur qu'il foute encore plus la merde. Je fais partie de l'équipe de Gentech qui a créé le virus en 1964. Non, en 64. Je ne laisserai pas tout gâcher. C'était quoi? Chaque être vivant que tu assimiles te rend plus fort. Tu prends leur apparence, et tu prends leurs souvenirs. Je t'ai écouté. J'ai vu ta saloperie de virus. Mais j'ai rien vu qui puisse me faire croire que tu dis la vérité, et pas eux. Vraiment? Ils t'ont charcuté, mis dans une cage avec des infectés affamés, et ils ont tenté de te brûler vif. J'ai pas libéré le virus. Ni tuer ta femme et ta fille. Qu'est-ce que tu veux, alors? Les combattre? Je veux les détruire. Le Black Watch, Gentech, leur virus. Et je veux ton aide. Oh. Mais tu dois d'abord faire quelque chose. Gentech se livre à des expériences avec le virus. Il crée toutes sortes d'infectés. Il te faut cet ADN. Quand tu seras prêt, je te retrouverai. Et par pitié, enfile quelques vêtements. Voilà, c'est fait. Putain, ce virus-là, il est trop fort. Il est trop fort, ce virus. Putain, il te ramène des habits, il te donne une force supplémentaire surhumaine. Pas mal, ce petit virus, hein. Quand quelqu'un te fait chier au boulot, bah, hop, un petit coup de... Virus Mercer. Quelque chose vient vers vous, appuyez sur X en courant pour faire une enroulade et éviter. D'accord. J'ai pas eu le temps, merci beaucoup. Donc là c'est un peu le. Ouais, c'est un peu le merdier là. Donc là je sais pas comment ça va. Comment le jeu va nous proposer en fait. Je sais pas s'il y aura de la filtration, s'il sera que de l'action. Donc là, je vais en même temps que vous, découvrir le jeu. Reçu, appliquez la procédure. Bien reçu, Viper. Allez, enfoiré, à genoux sur la ligne. On sort ses papiers, allez. Capitaine, ça pue ici. Permission de désinfecter? Ouais, il va peut-être le falloir. Hey, où vous allez? Vous êtes sourd ou quoi? J'ai dit à genoux. Mon pote. Y a pas d'agenou mon pote. Alors, attaquer le commandant. Ok. Ah d'accord, ok. Les actions violentes font passer votre jauge dans la tour rouge. Alors, on va appuyer sur rond et... Mais je sais pas ce que c'est assimilé. Oh putain. Ah d'accord, ça y est, je viens de comprendre. Assimiler des cibles vous permet de prendre leur apparence. La seconde apparence est stockée dans l'emplacement métamorphe. D'accord, assimiler ça veut dire qu'on peut prendre leur apparence et tout. D'accord, ok. Ok, on va courir. D'accord, allez, cours. Donc là en bas à gauche vous avez pu voir une map hein. Donc là ils sont automatiques hein. Y'a rien à faire hein. On va en avoir besoin on dirait. D'accord, ok, c'est avec la flèche directionnelle qu'on peut changer d'apparence.
Voici, votre autre apparence redevient utilisable. N'adoptez pas votre autre apparence tant qu'elle est rouge. Appuyez sur X pour continuer. Faut que je prenne de la hauteur pour savoir où je suis. Commandant du Black Watch, un cobaye de Shentech est en liberté dans la zone. Il s'appelle Gax Heller. Le spécimen est noir, chauve et âgé d'environ 35 ans. Il porte une veste en cuir et il est extrêmement. D'accord, ok, on peut marcher sur les murs, ça c'est pas mal. Ça c'est un super virus ça. Marcher sur les murs, ça nous donne des vêtements. Donc attendez. Donc là. Ah non. Je vais pas me métamorphoser sinon. Une minute. Je le connais ce quartier. C'est mon église. Je me demande si le père Guerra est là. Rendez-vous bien à l'église pour retrouver le père Guerra. Ok, donc en bas à gauche on a une map, il y a une petite flèche verte qui s'est matérialisée. Et si là je change d'apparence. D'accord. Celle-là. Et les autres flèches ne font rien pour. Ah si. Attendez. Ok, donc là on va y aller. Non, on meurt pas dans ce jeu. Hein. Alors R2 pour courir, on va courir. Hop là. Franchement, pour l'instant, les premières impressions que j'ai, c'est plutôt un bon petit jeu. Le gameplay a l'air souple, a l'air pas mal, a l'air une bonne prise en main, assez rapide. Parce que vous savez des choses. Les gens vous parlent. Je suis là parce que j'ai besoin de votre aide. Oui. J'entends beaucoup de choses. Souvent tristes. La flex. Vous savez, on va couper. On va passer. Parce que je pense que vous avez peut-être un petit peu marre. Faut que je m'intéresse à Gentech et au Black Watch, qui commande par ici. Un petit peu marre des cinématiques. J'ignore leur nom, mais il y a deux commandants à l'hôpital. Ils en ont fait leur quartier. James, ne faites pas de grabuge, je vous en prie. Mon père, si c'est le Black Watch qui a... Ça ressemble un peu à du Assassin's Creed, le moteur du jeu ressemble un peu à du Assassin's Creed, un petit peu. Oh, c'était quoi ça? J'ai des hallucinations maintenant. Monter sur le 3 près de... Sur le toit près de l'hôpital. C'est pas drôle. J'y vois plus rien. Voilà. Là. Ah d'accord, elle est là-bas le toit. Est-ce que je peux faire un gros saut de la mort qui tue? Non. Non. En tout cas, le jeu a déjà graphiquement bah. Bon, ça reste de la PS3, hein. Voilà. La voix de James, c'est pas mal. Ça va. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Putain de merde. Voilà le type que je cherche. On dirait un sonar viral. Aptitude track. La traque vous permet de localiser les cibles importantes. Appuyez sur L3. Alors L3 c'est gauche. LR émet une onde de traque circulaire. D'accord. Ok, la cible est toujours au centre. Qu'est-ce que je dois faire là? Traquer et assimiler votre cible. D'accord, il faut que j'assimile la cible. Ah ouais, pas mal. Ah, attention, là il y a eu...
Elle est où ma cible? Je vous attrape. D'avoir apporté ça. Elle est où la cible? Ah, elle est là. Ouais, parce qu'en fait, quand on assimile, on prend leur pouvoir, mais leur souvenir. Cette compassion pour Heller, c'était pas professionnel, c'était même écœurant. Par mémoire. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un sujet dont on parle devant de simples soldats. Merde! William! Qu'est-ce que vous foutez dans le centre de commandement? Regagnez votre poste! En tout cas, le scénario a l'air un peu complexe quand même. En même temps que nous, c'est lent. Donc là, on va y aller. Alors saisir. Si seulement j'ai. James, vous avez trouvé des commandants? Un seul. L'autre s'est enfui. J'ignore où il a pu aller. Vous en faites pas pour ça. J'ai un moyen de le retrouver. Rendez-vous au parking de l'hôpital, donc ça va, c'est juste en bas. Viper 3, ici Rattler. On vient de perdre le contact avec Viper 2. Vous pouvez utiliser l'aptitude track pour localiser des villes très éloignées. En tout cas, je comprends pas tout là. Ça marcherait mieux si je pouvais prendre un peu plus loin. Prenez de la hauteur. Donc voilà un peu un sorte de. Enfin, c'est pas un GTA like, mais un petit peu quand même. Enfin, je sais pas si on peut aller dans toute la ville. Attendez. Ah voilà, faut rester appuyé sur R2. Danger. Je sais pas ce que c'est. Voilà. J'aime bien la petite roulette qu'il nous fait là. Ce serait pas le pont George Washington, ça. D'accord. L1, ça nous ouvre un sorte d'inventaire peut-être. R1, rien. Ok. Traquer et orienter la caméra dans différentes directions peut vous aider à localiser votre cible. Notez. De quoi ? Comment je fais ça? Mais putain, j'assure. Putain, par contre, je. Rejoignez le centre de Londres pour trouver la cible 7. Ah, il doit être près du. Comment ça s'appelle? Il doit être près de. Ah, ça doit être là, ouais. Rendez-vous au pont. Ah, c'est bien au pont, ouais. Attendez, je vais monter. Un petit coup de. Voilà. Oh putain. En tout cas, ça a pas l'air terrible la maniabilité là. On va y aller. Planer pour franchir le pont brisé. Courir, sauter et appuyer sur R2 pour planer. Ok, alors courez, sautez. Putain, c'est trop fort ce truc. Ah, attendez, R2 plus X. Putain, il peut planer. Putain, il est trop fort ce jeu. Attendez, un petit coup de track. Je vais mettre comme ça, on va voir si ça marche. J'ai envie de le tuer mais discrètement.
Et mais là, on voit mon visage là. Attendez, on va y aller, on va voir. Hein. Apparemment, on me dit rien. On va y aller. Voilà, on le tue. Là, il y a un petit, il y a un petit signe bizarre là. Qu'un simple bureaucrate. Bon sang, lieutenant. Même moi, je pense pas ça. Mon ancien chef s'est battu avec le colonel après s'être murgé une nuit. Il est toujours à l'hôpital. Bon, la prochaine, on s'arrêtera là, je pense. Pas envie de vous spoiler encore plus le jeu. Hein. En tout cas, c'est un bon petit jeu. Donc bon, pour l'instant, ouais, c'est un bon jeu, mais pas. De toute façon, j'arrive pas encore à bien accrocher. Essayer de me faire cramer dans le labo. Voyons si je peux le retrouver. Quoique, je sais toujours pas comment ça marche ce truc. Oh merde. Apparemment, va falloir que je cours. Ça a des effets spéciaux de ouf. Donc là on a une map hein, pour semer voilà. Ils ont terminé la survie du plus fort. Il y a une boîte noire là. 157 mètres. Bon, qu'est-ce que je dois faire là? Là il y a un G là. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi le G là? Comment on fait pour mettre la map? Non, c'est pas ça. Revenir au jeu. Qu'est-ce que c'est ce jeu là? En tout cas, c'est un New York complètement à la ravage. Hein. Là, voilà, le G il est là. C'est qui ça? Va falloir que je monte. Ok, ça marche. Pas besoin d'ascenseur. On marche sur le mur. Hop là. Encore. Opération File Trap. Le père Guerra a confirmé les dires de Mercer. Je dois trouver un certain Rooks. C'est lui qui a voulu me tuer dans le labo. Jess, le colonel Rooks est le commandant en chef des forces du Blackwatch à New York Zero. Ne faisons pas le poids. Écoutez le message que j'ai intercepté. Cottonmouth 4-1, ici Cottonmouth. Vous allez rejoindre le site de test Washington. Tenez-vous prêt pour une libération contrôlée. Vous avez entendu, James? Ces spécimens se sont pas mal son costume. Il les lâche dans la ville. Voilà ce que fait le Blackwatch là. Dans la zone jaune, James. Il y a vraiment Iron Man. Je vais les arrêter. Et je vais retrouver Rooks avec ou sans votre aide. En tout cas, le jeu est vraiment propre, hein. Graphiquement très joli. Là, il y a la pluie qui a fait son apparition, donc là, ça va être derrière. On va planer un petit peu. Il y a un peu de Spider-Man, un petit peu. Hein. On charge les spécimens en ce moment même, terminé. Hop là, ouais. Chaque fois qu'il y a un obstacle, il saute automatiquement, ça c'est plutôt pas mal. Donc là pour l'instant c'est, la, c'est assez linéaire, hein. On va d'un point A à un point B. J'espère qu'il n'y aura pas que ça. Hein. Équipe en position. Bien reçu. Opération Fly Trap approuvée. Bien reçu, Red Crown. Oh putain.
Oh putain, il a tout dégagé. Ok. Va falloir que je l'esquive. Apparemment, ils m'ont sorti le molosse là pour m'attirer. Il y a une petite poubelle là. Putain! Putain, mais. Ça a été mal fait. Ah, petit finish him. Pour obtenir les griffes. Ah, d'accord. Maintenant, je peux sortir les griffes. La Wolverine. Ok. Le colosse. Attends, ça va être beaucoup plus facile. Hop. En fait, il suffit d'assimiler une arme et après l'arme, on peut la greffer entre guillemets dans son corps. Là, ça commence à devenir intéressant. Ça, poussez-vous les. Putain. Allez, hop, un petit coup de. QTE. Oh putain, je vais couper la tête, c'est bon, c'est terminé pour lui. Réaliser une impulsion sacrée. Accomplissez les objectifs pour gagner des deux. Alors, L2 plus carré pour une impulsion acérée. Non, c'est pas sacré, c'est acérée. T'es fait de bullet time. Je suis tout seul mec, mais j'ai le virus. Donc ça va pas être facile mon petit. Oh, putain. Ah ouais, d'accord, on peut casser les véhicules, ça c'est pas mal ça. On peut niquer un peu les éléments du décor, ça fait toujours plaisir. Détruisez les forces de Blanc pour rendre l'espoir à Guerra. Tiens, toi c'est le salaud va. Marco 1, mettez vos véhicules en position et attaquez la cible prioritaire. Merci Cotton Mouse, on passe à l'assaut, terminé. Appuyez pour prendre un lance-roquette. Ok. L2. Putain. Voilà. Mettez fin à l'alerte. La raclée de leur ennemi devrait rassurer le père Guerra. Bon, faut arrêter de tuer des innocents là. Bon allez. L'église. Go. En tout cas, c'est pas mal l'effet que ça donne là. Enfin, c'est un peu la merde. Hein. Allez là, l'église. Pas mal fait aussi. Mais c'est un peu le bordel pour moi. Perso, j'arrive pas encore à accrocher bien à l'histoire. Vous les avez arrêtés ? Oh oui, ça je les ai arrêtés. On sait même plus s'il y a un président ou on sait plus rien. Franchement, c'est ça qui me dérange un peu là. Suivez-moi, on a beaucoup à faire. Là, ça fait bientôt 45 minutes que je vous capture, on va bientôt s'arrêter. Hein. Et qui sait ce que fabrique Gentech dans ses laboratoires?
Après les amis, moi je vous voilà, hein, si vous aimez ce genre de jeu, allez-y. Mais en tout cas, c'est pas mal. Hein, le jeu nous offre un gameplay assez bien au point. C'est pas mal. Si Alex Mercer veut tuer tous ces sales types du Black Watch et de Gen. On va passer parce qu'on n'a pas, j'ai pas trop le temps là. Sinon la vidéo va durer 2 heures. Ok, donc opération, mission terminée. Évolution 2. D'accord, on peut évoluer. Là j'ai fait une petite upgrade. Niveau 1. Niveau 2. Donc là j'ai. Ah d'accord, maintenant je peux customiser ce que je veux. D'accord. Donc là si je fais vitesse plus 10, haut plus 50. Plus 25%, 50%. On va faire ça, voilà, hop, on va continuer. Mon père, voilà, mes déplacements. D'accord, L1 pour les pouvoirs. D'accord, ok. Donc, ah, c'est pas mal ça. Avec le stick gauche, on choisit. Donc, je pense que je vais avoir jusqu'à 5 pouvoirs. Voilà, les griffes. J'appuie sur carré. Voilà. Et par exemple, si je veux, rien du tout. Attendez, comment j'enlève? Accéder au terminal Black Tech. Allez hop, on va se mettre en soldat. D'accord, ah, ok, d'accord. D'accord, donc en haut, c'est pour mettre les griffes. On va courir un petit peu quand même, hein. On va pas. Attends, dégage-toi. attendez. Utiliser le terminal Blacknet. Ça va passer toi. En tout cas, pas mal ça, son armure. Hein. Très bien, j'ai un nom. Docteur Samuel Billingsley. Oui, il est responsable de recherche chez Gentech. Vous vous rapprochez de Rooks. Je vais essayer un truc. Prenez de la hauteur pour traquer plus facilement vos cibles. Elles resteront généralement au niveau du sol. Prenez de la hauteur. Ok. On va monter là-dessus là. Putain. Attention. Samuel va recevoir une visite surprise. Ok, on va courir. Mais je crois que l'onde venait vers là, je crois. Plutôt de là-bas, ouais, attendez. Petit coup. Ouais. En fait, on plane vite fait, on plane pas beaucoup. Hein. Un petit coup de traquage. Ah, ça vient de là-bas. Bah, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Ah bah non, ça a pas l'air d'être ça. Il est plus près là, on se rapproche. J'ai l'impression qu'on se rapproche. Je sais pas ce que c'est l'icône jaune là. Voilà, il est là le docteur. Salut.
Voilà, j'ai trouvé. Vous avez vu hein, comment ça marche, hein. Bon, maintenant j'ai compris. Hein. Je ne vous attendais pas aujourd'hui. Je ne suis pas là pour bavarder. Vous deviez me remettre votre rapport hier. Par contre, l'icône jaune, je ne sais pas ce que c'est. J'attends de voir les effets sur la famille Suarez. Les parents sont. Donc, c'est des missions assez courtes hein, pour l'instant. Après, je ne sais pas ce que c'est, la, je sais pas ce que la durée de vie nous propose hein, Je ne sais pas si le jeu va être plus ou moins long ou pas. Ok. Opération ceinture d'Orion. D'accord. Billingsley ah, super. Est pas au courant pour Rooks, mais j'ai entendu parler d'un labo de Gentech qui ferait des expériences sur les civils. De nombreuses missions de capture et tests menées par Gentech sont supervisées par Rooks. C'est dans ce complexe que vous trouverez où il se cache. Ça commence à ressembler à une putain de chasse aux dahus. Rendez-vous au complexe de Gentech. Voilà. Allez, go. Ça, c'est pas mal, ça, que j'ai pu avoir le déguisement du docteur. On va monter. Tant qu'à faire. Hop. En tout cas, c'est vraiment pas mal, ça. Hop. En fait, il y a une petite impulsion vers le haut là. Hop là. C'est pas mal ça, j'aime bien. En tout cas, il court pas très très vite par contre. Mais il fait des sauts de fou furieux. Père Guerra, je suis dans le labo. Bon, écoutez-moi bien, James. Gentech et le Black Watch utilisent des systèmes de sécurité biométriques. Vous allez avoir du mal à entrer. Vous inquiétez pas, mon père. Je devrais y arriver. Choisis une apparence militaire pour entrer sans risque dans la zone. D'accord. Putain, merde! Mais quel con! Oh putain, j'ai fait le connard là. Utiliser le scanner digital. Ça va. Ça s'est calmé là. Putain, j'ai pas compris là ce qu'il fallait faire. Attendez. Si je me cache là. Oh putain non. Je sais pas ce que je dois faire. Putain. Mais attendez, là il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Où est-ce qu'il est mon déguisement militaire là? Attendez. Je vais me mettre là. Bien loin des. Voilà. Elle est où mon déguisement militaire? Utiliser le scanner digital pour rentrer. Ouais, mais en quelle apparence? Faut que j'ai une apparence de militaire, non? Putain. Très bientôt je vais devoir arrêter la vidéo. Bon attendez, on va y aller comme ça, on va voir hein, ce qu'on va nous dire. Ok, là pour l'instant on ne fait rien. Et par contre, faut pas que je me matérialise tout de suite. Attendez. Faut que je me cache un petit peu. Enfin, je pense, hein, si je dis pas de conneries.
Voilà. Normalement là ça devrait être bon là. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Assimiler le commandant pour accéder au complexe. Ok, mais est-ce que le commandant il est tout seul au moins? Par contre, l'intelligence artificielle n'a pas l'air terrible. J'étais devant eux, j'ai changé de parole devant eux. Il est où le scanner? Ouais, l'intelligence artificielle n'a pas l'air terrible. C'est un peu dommage. Ouais, la batterie. Ouais, de ma manette, elle est faible, mais bon, ça devrait bientôt... De toute façon, bientôt, je vais bientôt m'arrêter là, hein. Donc là, une petite phase d'infiltration. Accès autorisé. Regardez-moi ça. On s'est trouvé un VIP. Il va falloir que j'accède à cette pièce pour en apprendre plus sur Hooks. Assimiliser furtivement le commandant. Le commandant, il est où ce connard? Mais comment... Donc là, checkpoint. Voilà le commandant. Appuyez pour vérifier si qu'on a et observer. D'accord, elle est observée par lui. Stratus 2-4, ici Stratus. Préparez-vous pour une autre intervention. Terminé. Stratus, ici le docteur Genevieve. Mon équipe apprécierait que vous rameniez quelques agitateurs en vie. Bien reçu, docteur. Ça devrait être possible. Échantillon standard? Oui, un échantillon aussi varié que possible en termes d'âge et d'origine ethnique. Mais pas de gros cette fois. Les cuves de confinement sont trop étroites. Alors, comment je vais faire, moi, pour assimiler furtivement ce connard-là? Il y a lui, là, en train de le regarder. Même un autre. Alors attendez, appuyez. L2 et R3. Si lui je le tue lui. Ça je sais pas quoi faire là. Comment je vais faire? Faites gaffe à vous, ça part sérieusement dehors. Putain, comment je vais faire là? J'ai envie de le tuer. J'ai envie de assimiler et assimiler le commandant. C'est bon. Là, je vais pouvoir le saisir. Alors, utiliser le scanner du ciel pour rentrer dans le laboratoire sans déclencher le mode alerte.
Go, allez c'est parti. On s'arrêtera là je pense. Hein. Doucement, doucement. Ah, fallait bien que je tue le premier. Doucement. Voilà. Le docteur Genovese sans déclencher une alerte. Il y en a deux qui le voient. Donc il va falloir que je tue vite les deux soldats. Alors attendez. Attendez. Ces deux couillons là. Eh merde, putain. Putain. Par contre, je sais pas ce que c'est ça. Allez, go. Merde! Quel con! Là, il y a une autre cinématique là qui s'est mise en route. Par contre, je sais pas ce que c'est cette icône. Rapide. Attends, faut que je m'occupe de l'autre. Il faut faire rond triangle assez rapidement. Rond triangle assez rapidement. Attendez, attendre que lui il se casse là. Voilà. Je pense que là maintenant il est tranquille. On est tranquille pour lui là. Voilà. Merde, il s'avère utiliser ces identifiants sur un des ordinateurs. Vous trouverez peut-être héros dans une base de données. Utiliser terminal sans déclencher la. Oh putain, ouais, mais c'est un truc de malade mental là. Je suis devant l'ordi, sur quoi j'appuie? Tout d'abord, vous devez. J'appuie sur le bouton rouge et merde, l'écran déconne. Cette saloperie est foutue. Bien, appuyez sur la touche Alt. A-L-T, Alt. Alt. Avec une ligne ondulée, une autre avec un triangle dessus. Mais c'est quoi ce clavier de merde? James, calmez-vous. Il doit y avoir un bouton avec un carré bleu dessus. Ok, je préfère ça. J'affiche la base de données du personnel. Voilà, je le tiens. Pensez à vous déconnecter. Ouais, ouais. Quitter la réserve spécimen de Gentech. Le terminal 4 est connecté sans personnel présent. Retournez à votre poste et déconnectez-vous convenablement. Putain, je déteste les ordinateurs. Ouais, donc une petite phase d'infiltration là. Allez, go. Donc vous avez vu, hein, hautement gardé le... usine Gentech. Quitter le complexe Gentech. Là, comment je vais quitter ça? Ah, oui, d'accord, le jour s'est levé. Par là. Bon. Comment? Ah, bah, ok, à ce moment-là. Voilà. Ouais. Donc les amis, on va bientôt s'arrêter là. Voilà une cinématique. Voilà, la mission est terminée. Et en même temps, le test aussi. Donc je conclurai assez rapidement. Donc un bon petit jeu, mais assez linéaire. Hein. Moi j'ai cru qu'on pouvait aller à peu près où on veut. Je sais pas si vraiment la map est assez grande de New York.
En tout cas, voilà, un jeu prenant. Mais je sais pas, moi, enfin moi personnellement, j'arrive pas encore bien à accrocher au jeu. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut assimiler les personnages. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal et ça, c'est bien pour qu'on puisse infiltrer, jouer la discrétion et pas que du bourrinage. Donc voilà, donc les amis, c'était Prototype 2. C'était Letko avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo-là, bah, mettez un petit pouce bleu, partagez-la sur Facebook, sur où vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur Facebook, hein, Letko Tester. Je rajoute tout le monde, pas de problème. Donc voilà, et testmode.fr pour me retrouver, pardon, excusez-moi, avec mes amis de testmode.fr. Donc c'était Letko, c'était Prototype 2 sur PS3. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et jouez bien. Salut à tous.